Hop là, et bonjour à toutes et à tous, c'est Toundra. Aujourd'hui on se retrouve sur Xbox One, aujourd'hui sur l'incroyable, le plus glorieux, voire même le plus glorieux des Halo. Voici Halo Infinite, sorti sur Xbox One, également rétro-compatible sur Xbox One et sorti sur la série X, sur la Xbox Series X et sorti également sur la One. Donc il y a quelques mois mais de cela, donc il était sorti, il a été annoncé comme le plus successif des Halo. Voilà, donc le successeur de Halo 5, qui est devenu le Halo, je présume que c'est le numéro 6 de Halo. On ne sait pas s'il y aura un 7ème, mais qui va probablement être prévu, qui sortira cependant. Développé, édité par 343 Industriels, qui est un des studios de juste une filière de Bugil. Donc Bugil est la société qui est à l'origine des Halo, ainsi que l'heureux créateur aussi des Destiny, parce qu'il y a eu Destiny 1, Destiny 2. Donc moi je l'avais sur version de mes téléchargements, je l'avais eu gratuitement le Destiny sur Xbox One, qui est rétro-compatible également sur la série X. Donc du coup j'ai de la chance de posséder les deux. Voilà, que ce soit le Destiny 1er et Destiny 2. Donc ça va, ça me dérange pas d'avoir les deux. Voilà, j'ai toujours le premier mais Destiny. Hein. Donc ça me dérange pas de continuer encore sur le premier. Par contre, ce qui me laisse un peu à désirer, c'est que tous les Halo ne sont pas tous mauvais, mais il y a des problèmes. Parce que je me rappelle du 4e opus, quand il était sorti sur Xbox 360, il devait succéder le 3e opus, le 3e Halo, et ainsi que le Halo Reach. Mais sauf que Halo Reach a suffisamment, à l'époque, je me rappelle, lors de la sortie, il figurait l'un des meilleurs codes de vente à l'époque entre 2009 et 2010, comme Call of Duty Black Ops, parce que Call of Duty Black Ops était le numéro 1 mais des jeux de FPS le plus joué en multijoueur, tandis que Halo Reach atteint la seconde place en face de Call of Duty Black Ops. Et Call of Duty Black Ops, non seulement à l'époque c'était vraiment des jeux qui fonctionnaient parfaitement bien en multijoueur, mais non seulement ça te faisait fonctionner le Xbox Live Gold et tout le gratin de chou-fleur qui va avec, mais Halo Reach a été pour moi le meilleur jeu en multijoueur qu'il a été connu mais dans toute sa génération. J'ai regardé un extrait d'un multijoueur à l'époque même quand Halo Reach était sorti. Halo Reach était même rétro-compatible sur la Xbox One. Je trouve ça vraiment absolument foutissime. Mais foutissime. Et d'un autre côté, le Halo Reach était vraiment très réussi. Mais Halo 4 était, je crois, le moins réussi. Mais le Halo 5 aussi était un petit peu moins réussi que le 4e. Et franchement, je trouve ça un petit peu aberrant que le 4 et le 5 n'ont pas figurément fonctionné. Enfin, ça fonctionne un peu, mais en multijoueur, mais à partir du multijoueur. Mais tout le mécanisme est un peu basé sur un peu le Destiny 2, le premier et le 2. Mais le Destiny 2, pour moi, il reprend exactement la même recette que Destiny 2. Enfin, le Halo Infinity reprend également la même recette que le Halo, enfin que le Destiny 2 en fait. Mais en fait, le Destiny, c'est un petit peu le Halo mais version avec des gardiens en fait. Mais là, on incarne plus des Spartans que des gardiens. Voilà. Bon, alors on va commencer. Allez, c'est parti. Hein. Alors, je n'ai pas acheté. J'ai pas acheté la version complète du jeu. Car le problème, c'est qu'il faut acheter la version complète du jeu. Et le problème, c'est qu'on peut pas. Voilà. Mais par contre. Ah, résultat de la 16 saison. Ah oui. D'accord.
Ok. Bon bah du coup on va se faire un peu le... Alors, on a personnalisé l'armement, enfin on a un mode personnalisé, jouer en mode campagne, multijoueur, académie pour écrire votre propre les légendes Spartan également. Créer des parties personnalisées en multijoueur ou en local, bon peu importe, de toute façon tout le monde le fait. Hein. Alors, voilà. Putain, le temps de chargement est vraiment, vraiment très très lent, mais dans un jeu comme ça, c'est aberrant. Ah voilà. Putain, regardez-moi un petit peu ce perspective du décor des tanks. Surtout le tank de ce putain de jeu. Il est exceptionnel. Voilà, donc mon armure. Hein, donc ne rigolez pas, ça c'est du jaune avec un petit chaton dessus. Ça fait kawaii, mais bon, ça fait pas mal pour que ça passe. Voilà, donc les textures mais des armures de Spartan et également mais des armements dans le jeu est exceptionnel et très beau. Bref. Alors, on va faire établi mais des armures. Vous pouvez également... Ah non, c'est établi mais des armes. Voilà. Vous pouvez personnaliser votre armement, voire même... voilà, donc... fusil d'assaut, pistolet, fusil de combat, donc qui est plus un fusil d'assaut. Ensuite, le commando VK-60-18, je me rappelle qu'il était dans le tout premier halo, celui-là. Ou peut-être le second, je ne me rappelle plus très bien. Parce que j'avais un deuxième halo sur Xbox, la toute première Xbox. J'avais même les deux premiers halos, en fait. Ensuite, on a la roquette, on a aussi le sniper S7, on a le bulldog, on a aussi le Hydra, qui est le fusil d'excellence, qui est le fusil de qui est un lance-roquette absolu, voilà, qui est le roquette le plus absolu de tout ce putain de jeu, voilà. J'aime bien le pistolet, hein, mais vraiment j'aime beaucoup le pistolet. Ensuite, les salles d'armure, alors les salles d'armure c'est pour personnaliser notre armure de Spartan. On a le MK7, on a le MK5, on a le Yoroi, donc qui est un peu le Yoroi, voilà, qui est un peu le armure un peu à la japonaise mais beaucoup plus superissime. On a l'armure Mark 5 et on a l'armure 7, donc qui est le... On peut personnaliser le casque du Spartan, mais pour l'instant, on n'a pas tout débloqué parce qu'il faut arriver héros de Reach au niveau 30. Ah, il faut débloquer au niveau 30 du coup, sur Halo Reach du coup. Héros héros de Reach au niveau 81. Ah oui. Donc si on a un compte privé pour jouer à Halo, si on a joué à Halo Reach et qu'on a un compte jusqu'au niveau 80, 96 et des poussières. Ah donc il faut avoir un fichier sur le jeu de Halo Reach pour obtenir ce truc. Et ben manque de bol, c'est pas mon cas parce que j'ai jamais fait le Halo Reach. Bon. Ben c'est triste parce que mine de rien, moi j'aimerais bien essayer d'avoir ce putain d'armure. C'est complètement con. Voilà, alors on a la poignée, armure, bon bref. On peut même mettre un petit logo, il n'y a pas de problème, donc effet d'armure. Assez vaste quand même ce qu'ils ont fait, franchement les effets de flammes dans ce jeu sont assez uniques, hein. pas vraiment uniques, mais bon, c'est pour un effet spécial, c'est assez particulier quand même, hein. Bref, on a des véhicules comme par exemple le Warthog, très connu dans le jeu, le Mongoose, voilà. Ensuite on a le Scorpio, l'espèce de char qui va déglinguer du vrai pterodactyle. Le Wasp AV-49, on a le Razor Black, enfin Back M15, on a le Gun Gods, voilà, bref.
War 2 avec lance-roquette et j'en passe, voilà. On peut même personnaliser, voire même prendre une intelligence artificielle. C'est un Oui, honneur de merci travailler beaucoup, avec Coco, vous. Jolia. Mise à jour du programme comportemental terminée. La question, c'est si vous êtes digne de me choisir. Bonjour, partenaire. Vraiment? On va essayer de rester en vie, ok? L'autre frousse évidemment. Excellent choix, Spartan! Montrons-leur de quel bois nous Ouais, sommes je préfère faits. ça, celui-là à la rigueur. On peut même choisir la couleur de l'IA, le modèle de l'IA en question, après les prothèses, quoi. Ah, on peut même prendre des prothèses. D'accord, des prothèses pour d'accord, ok. Identification de Spartan, mais ça, c'est vraiment aucune efficacité. Enfin, je veux dire, les voix, on peut parfaitement prendre les voix masculines, voire même. Bon, les matricules, ça, on s'en branle, parce que mine de rien, moi, Ah! Pourquoi j'ai appuyé plusieurs fois sur le B? Bon, je marque AT, ensuite gentil chaton. Ouais, bah, gentil chaton, vraiment. Niveau de menace, opus, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok! Bon, ah oui, d'accord, bon, mais j'avais en même temps équipé de ça, en fait, d'accord. Je prends celui-là, du coup, donc voilà. Très bien. Ensuite, communauté, donc on a les cinématiques en mode populaire. Alors là, j'ai pas trop compris ce que c'est en fait. Donc, à mon avis, ça doit être lâche. Ah oui, attendez. D'accord. On peut même sauvegarder nos fichiers et des vidéos, d'accord. Donc en gros, c'est des vidéos en fait, des espèces de filtres. Alors, boutique. Alors les boutiques, ça sert à rien à part avoir quelques crypto-monnaies sur ce jeu. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça. À part s'il faut acheter quelques équipements, voire même quelques gadgets, voire même l'armure de Zvezda. Et encore le flash J-Jord. Bon. Je vois pas trop l'utilité, donc du coup on va peut-être aller directement multijoueur. Voilà. On va aller directement cela. Allez. Alors j'ai fait la première saison. Je suis au niveau 2, donc pas glorieux, mais bon, niveau 2. Hein. Allez. Et ben c'est parti. On va faire un petit jeu. Partie rapide. Allez, on va faire une petite partie rapide. Allez, allez. Bon. 1, 2, 3, compte à rebours. Ah, super! Connexion en cours, nickel. Connexion au serveur, bon. Allez, on y va. Alors, s'il vous plaît, ne rigolez pas quand je fais une bataille en multijoueur. Vous attendez pas du tout à des merveilles. Vous attendez pas à ce que je sois le meilleur en multijoueur des Halo. Je suis sûr que les Halo, je vais me planter facilement. Alors, en attendant que le bidule charge, je pense que. Alors. Je vais pas dire ma. Je vais pas faire non plus le mec qui s'y connaît tout, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils utilisent à peu près le même système de progression de ces saisons comme dans Destiny 2. Et c'est hallucinant parce que ça reprend exactement la même chose que Destiny 2. Hein. Voilà. Bon, allez. On y va. Chargement d'autres joueurs. Mais putain, mais c'est pas possible. T'étais censé d'avoir une partie la plus rapide de ce putain de jeu. Et tu dis chargement d'autres joueurs. Mais bordel, putain, mais c'est quoi ces serveurs de merde? Oh. Bon. Eh ben tant pis, on va attendre un peu. Un petit tout petit joueur. Bon allez, alors je vous montre cela. Donc du coup. Quotidien, on a des défis, on a des défis quotidiens, comme par exemple les trésors de Spartan. Disputer une bataille, enfin plutôt une partie plutôt. Tuer Spartan au corps à corps. Ouais, je crois que c'est ça, hein, d'ailleurs. Tuer mais des Spartan en partie. Ouais, d'accord. Reporter des parties
les parties festive, fiesta, donc on a fait, ok, on va voir tout ce qu'on peut faire. Alors, quand vous voyez changement de défi, attendez. En fait, le but était de finir cette saison de défi pour obtenir ce gadget. Enfin, je crois, mais je suis pratiquement sûr qu'il faut terminer un niveau. Bon, là, je suis au niveau 3, mais au niveau de la saison première, je suis allé au niveau 3. Enfin, je vais probablement aller au niveau 3, mais je suis pas certain si on pourra vraiment tout débloquer. Ah, c'est quoi ça, ça. Oh non, me dis pas qu'on joue chacun pour sa gueule. Oh putain, je sens que je vais pas tarder à me faire niquer, mais bon, hein. On attend du tout à ça. Je le sens pas ce multijoueur, les gars, je ne le sens pas. Cumuler le plus d'éliminations pour remporter la victoire. Ah non, c'est une partie en équipe. Oh putain, super. Couvrez-moi. Enculé. Et voilà, j'en ai fait de la chair à saucisse. Merci hein, pour le coup de ma coupe jolie. Hein. Ah oui, on peut se régène automatiquement les vies, tout comme dans les bon, dans les autres Halo ainsi que Call of Duty. Bon après, je trouve que franchement... Mais allez, fumier. Merde, je me fais niquer. Ah putain, il m'a tué au-dessus. Oh, ça c'est une sacrée fourberie, hein. Franchement, tu te fais niquer au-dessus par un ennemi qui te tire au-dessus de toi et toi t'as même pas aperçu qu'il fallait tirer au-dessus. Voilà, j'ai eu. Et merde. Ah putain. Alors en bas vous avez le système de points que l'ennemi ou que le joueur a effectué. Bon là pour l'instant là on est en tête. On est à 8 à 6. 8 à 6. Bah, c'est pas glorieux, mais bon, on va essayer de trouver. Alors on a le radar en bas à droite. En bas, je veux dire pas à droite mais à gauche. On peut changer de flingue en appuyant sur la touche Y. Oh putain, j'ai cru que c'était. On peut cliquer sur le stick analogique droite pour utiliser le corps à corps, mais bon, parfois... Putain ! Il faut tirer dessus. Ils sont tout prêts. Merde. Mais putain, ils étaient où aussi ? T'as combien ? Ils étaient combien ? Mais ils étaient combien, au juste ? Ils étaient 3 ? Non. Bon, allez, on va prendre ceci-là. Ceci est dit, ça sent la guerre. Mais bordel, ça me tombe plus d'efficacité, ce putain de flingue. Oh, c'est tout pourri. Voilà, ils m'ont piqué mon gun, c'est fantastique. Hein. Non, 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 non! Mais bordel, mais c'est pas possible! Mais c'est vraiment trop injuste, mine de rien. Attends, on se fait niquer par des blaireaux qui savent vraiment jouer, mine de rien. Bon, bah, c'est pas très grave, on va essayer. On va prendre celui-là. Voilà, j'ai eu encore un corps! Mais non, mais je l'ai eu là! Mais putain, mais j'ai tiré dans la tête! Non, mais vous avez vu ça, les gars? J'ai tiré dans la tête, pourtant, avec le petit flingue à la con là! Oh putain, mais j'ai tiré le flingue! Mais j'ai tiré avec ce putain de pistolet là! J'ai tiré dans la tête pourtant, mais putain, pourquoi ça fait aucune efficacité ce bousin là?
Ennemi à mi-chemin de la victoire. Merde, je vis comme un pied. Disponible. Mais bordel, mais il était où? Oh. Putain, on se fait niquer. Hein. Je suis blessé. Mur portatif obtenu. Mais c'est incroyable, les gars, je vous assure. Ils sont de partout. J'arrive pas à jouer, les gars. Je vous assure, j'arrive pas à jouer. Ils sont partout, j'arrive pas à jouer. Mais vas-y, j'ai même pas le temps de réagir là. Oh là là. Oh, tu vas te calmer, hein, connard. Hein. Tu vas te calmer, hein. Oh. Vas-y, que je putain. Bon, on peut glisser en sprintant. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ah, on peut pas le prendre, putain, je savais qu'on pouvait le prendre. Alors, gâchette droite, enfin gauche, pour zoomer, pour viser. Zoomer, mais en visant également aussi. Voilà. Pointez bien ce rayon, Spartan. T'inquiète, je pointerai si j'ai envie. Hein. Mais, allez. Mais bordel, mais je te l'ai atomisé! Je l'ai atomisé, les gars! Ça devrait être en premier coup! Oh! Mais bordel! Oh putain! Mais c'est trop injuste! On a même pas fait un frag là! Qu'est-ce que ça veut dire? Merde! Putain, mais regarde-moi cette porcherie là! Mais qu'est-ce qu'on peut. On peut faire face à cela quoi? Merde! Je suis sûr qu'il y en a un qui est en train de. Bon, allez, c'est bon, c'est pas possible, j'arrive pas, c'est trop injuste. On va se faire niquer, les gars, hein, je vous dis. Hein. On va se faire niquer, je vous dis. Hein. On va se faire niquer. Hein. Oh putain. Je savais que j'aurais pas dû jouer à ce. Oh putain, je l'ai tué. Oh, c'était énorme. Oh putain, c'était énorme. Oh la vache. Mais bordel, mais t'as un deux en face de toi et t'as un autre qui vient te faire ta face à tout moment. Il te dit que ta face de rat en a rien de temps. Et toi t'as même pas compris ce putain d'intérêt et cette logique tout pété. Oh putain. Ouais bah tu m'étonnes que l'équipe a perdu. Hein. Oui, ben. Oh. Ça va, quoi. C'est pas parce que ces branleurs savent jouer à ce putain de jeu qu'ils font tout et travers pour nous niquer. Alors, je précise, hein. Pas fait le meilleur score, donc je savais que pertinemment, je savais que ça commençait plutôt à sentir le roussi. Je le savais parce que franchement, il fallait vraiment pas compter sur les armes. Il fallait vraiment compter sur le tir à la tête. Et ça, je peux vraiment réprimander ce jeu. Parce que tu ne peux pas tuer en trois coups. Tu ne peux pas tirer en trois coups. Voilà. Bon, voilà. Donc, quand on a fait une partie, quand on a disputé une partie, ben voilà, on remplit un peu la jauge. Ce qui est plutôt normal, d'ailleurs. Bon, eh ben, j'ai fait 14 décès. 6 assistances et j'ai fait 3 frags. C'est pas énorme, il faut 3 frags. Hein. Je vous assure. Hein. Je vous assure, quand on joue en multijoueur à Halo, l'expérience de multijoueur est très variée. Mais vraiment assez variée. Mais par contre, ce que je peux reprocher à ce jeu, je trouve que ça se répète plusieurs fois. Les Halo Reach se reprennent. Ben, identiquement en fait. Tandis qu'Halo Reach a un système de level pour monter de niveau 1 jusqu'au niveau 100. Par contre, sur Halo Infinite, là, j'ai mis un système tout con sur,
sur le Destiny 2, le système de XP de saison, tu as, par exemple, tu as fait effectuer la saison 14, donc tu vas monter de level en level. Sauf que moi, j'ai pas fait toutes les 16 saisons intégralité des Destiny parce que je trouvais ça assez long et assez répétitif. Donc du coup, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'avais envie de changer un peu. J'ai mis un peu les Halo. Mais franchement, le système de Halo, bon là, je suis au niveau 2, mais vous criez pas haut et fort, montez un peu les niveaux. Non, c'est pas possible. Donc voilà les gars. On va faire 3 parties, je me donne quand même 3 parties en multijoueur et après on verra si j'arrive à faire une unanimité du jeu. Alors je sais qu'on a un match avant par équipe, on a également l'espèce de capture de poste. Voilà, un peu, enfin une espèce de guéguerre, mais qu'on capture les postes, les avant-postes. Peu importe si on fait le match à bord par équipe, si on fait des matchs, enfin des captures de drapeaux. Bref, qu'on capture un avant-poste par un ennemi et que l'autre nous reprenne un avant-poste et tout le reste, il faut que le but était de remplir intégralement la partie. Après, évidemment, il faut vraiment compter sur les objectifs, ce qu'on te fixe à faire. Donc, du coup, là, j'ai fait l'expérience augmentée. Là, je vais faire évidemment. Tuer des Spartans ennemis en combat rapproché, tuer mes des Spartans ennemis en partie assassin tactique, reporter des batailles, enfin des parties en fiesta J contre J, d'accord. Bon ben voilà, j'ai prévu. Bon après le nombre de XP se fait en fonction qu'on a fait, par exemple, je ne sais pas moi, si on a fait par exemple le défi hebdomadaire de artiste martial. On peut également obtenir 200 EXP. Et quand on gagne chef de la meute, on tue des Spartans en assaut tactique, enfin en assassin tactique, on gagne 200 XP. La même chose pareil également, si on a tué plus de 10 Spartans. Par contre, si on reporte une partie de Fiesta, la partie de Fiesta, en J contre J, c'est 250 XP, enfin EXP. Et l'ultime, c'est qu'on gagne celui-là. Terminez tous vos défis hebdomadaires pour débloquer le défi ultime. Accomplissez pour gagner la récompense ultime de cette semaine. Donc du coup il faut terminer tous les défis, c'est là j'ai bien compris, pour obtenir cette récompense. Ok, mais je vais même pas faire attention alors. Ok, bon si on va essayer, hein, on va essayer vraiment de se fixer un objectif alors du coup. Allez, on y va. Oh, attendez, je viens de comprendre un truc en fait. Les niveaux, c'est même pas dans les fichiers Halo Reach en fait. Mais en fait, c'est quand on termine de niveau en niveau pour obtenir ses récompenses, alors. Si j'ai bien compris. Assassin. Voilà, alors. Oh, putain, je suis sûr que t'as des joueurs qui vont utiliser le War Dog pour liquider certaines personnes. Bah, franchement, il faut vraiment être complet. Hein. Allez, c'est parti. On est rendu à combien? 20 minutes. 28 minutes. Entre 28 et 29 minutes de gameplay. D'accord. Plus d'élimination pour remporter la victoire. J'ai ramassé le lance-grappin. Allez, j'en ai plus un. C'est qui me tire là? Oh! Putain, mais vas-y, mais trop. La touche action, je te demande d'équiper ce. Je viens d'en tuer un de Spartan ennemi et après je me fais dégager comme un paco chien. Et allez les gars. Oh putain, j'ai balancé carrément sur le. Tu
Allez. Mais... Vous n'êtes plus en tête. Je rêve, ils étaient nouveaux. Je rêve, je n'ai pas... Mais bordel! Mais putain, mais j'étais si près! Oh! Putain! Grenade dynamo récupérée. Armure disponible. Allez, bien. Putain, même le fin, ça sert à rien. Putain, mais quand t'es en face d'un ennemi, tu peux même pas l'atomiser. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Arme lourde en route. Mais c'est pas possible, tu es deux fois, quoi. Bon, vous savez quoi, c'est vraiment mes débiles, mes de se faire tuer en... Allez, certains joueurs. Hein. Assistance, nickel. Armure en approche. Bien, faut pas trop jouer les cons. Faut pas trop jouer. Bon. Oh, ce putain, ça prend tellement de temps à prendre ce putain armure de armure disponible. Voilà. Oh, 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 trop fort. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça fonctionne. De munitions, oh ben ça m'unise. Ça m'unise, oui, c'est sûr que ça m'unise. Putain, même à cette distance, c'est impossible. Voilà. Bien. Deux fois. Plus il était derrière, c'est un peu pire. Mais putain, mais je me suis protégé! Mais pourtant, je me suis protégé, les gars! Mais vous avez vu ça? Je me suis pourtant protégé! Oh, mais c'est absurde! Mais c'est complètement absurde, les gars, hein, je vous assure! Putain, il faut vraiment être à deux pour être éliminé, mais c'est incroyable, au nom de Dieu. Ouh, poudu. Mais putain, il faut pas s'étonner qu'après tu te pètes des crises. Oh la vache. Il faut pas se... Il faut pas s'énerver pour un jeu comme ça. Oh la vache. Dotation lourde arrivée. C'est la même chose, quoi. Mi-chemin de la victoire. En route.
Ah d'accord, donc on dirige avec le stick analogique gauche pour diriger le... De la tricherie à l'état pur. Comment tu peux utiliser des véhicules pour atomiser un joueur à cette distance et le joueur n'a même pas de quoi se sortir d'une telle chure irrévocable. Mais je ne sais même pas comment on peut l'avoir en deux coups là. Mais bordel, c'est tellement mal branlé ce système que t'as presque envie de atomiser ta manette. Mais il ne change pas. Mais putain, c'est immersif. Bordel, c'est immersif pour changer, pour dégager le quad. Je me demande qui a programmé ce bidule. Oh, pardon. Je suis un petit peu énervé là, évidemment, mais là, franchement, là, ça... Putain, je te demande de dégager du quad et le truc qu'il me fait pour changer... Et le bouton qui me sert à plus à dégager ce quad. Vous imaginez? Mais putain, mais c'est vraiment aberrant. Pas trop en tête et ça c'est bien dommage hein. Là, je peux m'utiliser avec le pistolet là donc arme lourde en approche. Putain, j'essaie de pas péter un arme lourde plein, désormais plein, disponible. Oh oui, c'était pas mal, un tir de toute beauté. Oh, deux fois! Oh, deux fois, c'était bien! Oh, là, je te l'ai atomisé! Voilà, bah tiens, là tu l'avais mérité, hein, fils de pute. Ah, franchement, fallait pas s'étonner qu'après qu'on cherche encore mes dédois. Armure en approche. Mon dieu. Armure disponible. Mais allez, nom de Dieu, mais nom d'un chien. Bon, c'est bon, parce que t'en as bien qui a couru, mais qui a attrapé ensuite mon gun pour ensuite atomiser le joueur à tout moment. Mais, ah mais c'est trop injuste, ils sont trois. Voilà, bien fait. Et de deux, vas-y que je te mets. Putain, je vais t'atomiser, nom de Dieu. Oh. Allez. Allez, c'est pas fini encore les gars, parce qu'il me reste encore une petite dernière. J'ai récupéré le matériel. Et boum! Putain, je vais utiliser ce fils de pute.
plus que 30 secondes. Bon, assistance, c'est pas grave. Merci infiniment de m'avoir aidé. Alors. Allez, on va tous les faire. On va tous les faire. Voilà. 10 secondes. Putain. Une plantation lourde arrive. Eh non, c'est mort. Bon. Putain, on était à deux doigts de les avoir. Putain, on était à deux doigts de les avoir. Ouh, putain, ça me donne envie d'en prendre un et de le assiéger en moins de temps. En 2-2, mais en moins de temps. Oh putain. Bon. Bah sinon l'ADA comme d'habitude dans tous les univers de Halo, elles sont exceptionnelles les DA de Halo. Vraiment mais exceptionnelles. Allez, ça y est, on est au niveau 3, nickel. Niveau 3, héros de Reach, ça y est. Allez, au suivant. On a débloqué quoi? On a débloqué le changement de défi. Et ensuite, on n'a pas encore débloqué le... Ah non, mais recommandé pour le premium. Oh putain, mais c'est complètement injuste. T'es le premium, il faut vraiment acheter le premium pour obtenir cette espèce de kit d'infiltration, je sais pas quoi. Oh putain, mais c'est vraiment aberrant. Bon, j'ai fait combien? J'ai fait 13 EDC et 15 frags. Bon, ça va, 15 frags, c'est bien. Frag avec arme lourde. Ouais, ben, le fusil d'assaut. Bon, ben, écoutez, les gars, c'est pas plus mal. Donc, franchement, le système est bien branlé. Chef de meute, t'inquiète pas, on va le faire, le chef de meute. C'est... Ah non, c'est assassin tactique. D'accord, bon, ben, écoutez, on va le faire. Liste de parties. Bon, allez. Alors, partie rapide, alors. Assassin tactique, alors hop, on y va, c'est parti. Allez, hop. Allez. Allez, on y est parti. Hein. Sinon, ouais, comme j'ai dit, la DA est exceptionnelle sur les Halo, il n'y a pas à dire. Voilà. Par contre, j'ai oublié de... Ouais, alors, édité par Microsoft Game Studio, donc évidemment c'est Microsoft Game Studio qui sont éditeurs de Halo. Ensuite, comme j'ai dit, le développeur c'est 343 Industriel, voilà, donc voilà, qui est un peu une filière de, probablement la filière de Buggy, donc le créateur des Halo, l'origine des créations des Halo et de Destiny, voilà, donc par le créateur de Halo. Destiny, c'est les créateurs de Halo qui ont fait. Donc voilà, c'est les créateurs de Halo qui ont fait. Après, bon, Halo est toujours au top du top. Donc même si c'est un jeu qui a malheureusement le multijoueur est vraiment très vieillissant, je trouve. Le système de multijoueur de chez Halo est très vieillissant, je trouve. Contrairement aux jeux de Call of Duty et de Battlefield qui sont beaucoup plus supérieurs. Et toujours la même chose quand tu débloques de niveau en niveau des armes de niveau tel de niveau par-ci, des niveaux par-là. Bon, maintenant ils ont fait un nouveau système qui est plutôt la même chose que pour Destiny 2. Donc c'est assez flagrant quand même, il n'y a rien d'avoir sur ce genre de choses. Mais après, c'est pas plus mal. Hein. Donc on a un système de 16 saisons et un système de level. Et sinon, la jouabilité pour un FPS, bah, c'est toujours pareil. Hein. C'est la même chose. Hein. Ça se répète en boucle, en large et au travers. Mais c'est pas plus mal. Ensuite, ce que j'ai dit.
L'OST, bah, comme d'habitude, t'as ça toujours des OST les plus forts, les plus faibles, bref, t'as toujours des OST de frappatel dans ce genre. Après, tu as voilà quoi, après le mécanisme de gameplay est vraiment vraiment exceptionnel pour un jeu comme ça. Éliminez donc, voilà, plus d'ennemis que votre adversaire pour gagner. Crier sur tous les toits, donc c'est un jeu qui a malheureusement. Oh, papa, c'était pas mal. Oh, la vache. Je t'en ai fait trois personnes. Je t'ai liquidé trois personnes, je crois. Ah merde, il m'a eu. Ah merde, il m'a eu. Ah putain, c'est pas plus mal de tirer en deux coups. Hein. Regarde-moi ça. Ça se planque, ça dérape et ça se planque. Mais non, mais putain, mais je peux les tirer là! Mais c'est quoi? C'est quoi cette tactique, sérieusement? Les aides en tête. Mais bordel! On peut même pas balancer ses grenades. Ah, on peut même pas changer d'arme, d'accord. Donc du coup, je présume qu'il faut utiliser uniquement ça, cette arme-là, du coup. Bon, bah c'est pas plus mal, d'ailleurs. Oui! Un système de tir. Et voilà. Ah, c'est génial, j'adore. Spartan à terre. Couverture. Mais what? Mais non! Mais je me fais. Mais lui, il nous tire trois fois là. Mais c'est incroyable. Allez! J'aurais pas dû te planquer là! Morpion, putain! Mais j'étais en mode de tir! Putain, et comment ça se fait que cette salope de système de tir se désactive? Mais c'est pas possible, j'ai fait ça, et hop, ça m'enlève! Mais j'ai pas compris le bidule en fait! Et allez! C'est fantastique! Mais vous avez vu ça là? Ni vu ni connu, mais vous avez vu ça, les gars, mais qu'est-ce que ça, c'est vraiment normal, pour un putain de multi comme Halo, quoi, merde, oh, c'est complètement injuste. Sur place. Ah, c'est énorme. C'est énormissime, les gars. Je vous assure. Hein. Oui, Corator. Mais l'autre, il s'est planqué. Regardez-moi ce Krakoukas. Il est juste en train de camper. Vous avez vu cette diabolisation quand vous campez? Mais c'est une dédiabolisation de camper. C'est une dédiabolisation. Mais vous avez vu ça? Mais je vous assure que je raconte pas des conneries. Vous avez vu ça? J'étais en mode de tir. J'appuyais sur cette gâchette gauche tout pourrie là pour mettre en mode de tir. Et le mec, il se désactive automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. Mais bordel, mais je n'invente rien aussi.
Et voilà. Oh putain le bug. Mais... c'est vraiment un bug standard du jeu. Ah, peut-être que je suis en mode... peut-être que je devrais me recharger le gun aussi surtout. Mais bon, peut-être que j'avais pas pensé aussi, d'ailleurs. Victoire. Eh oui, un petit victoire pour nous et 34 pour eux. Bah allez, hasta la vista. Hasta la vista les faibleurs. Ah, ah, ah. Ah putain, je te jure. Victoire. Ah, ah, ah putain. Ah la vache. Ouh là, je crois que je commence à avoir une légère petite migraine là, avec ça, franchement. Oh putain, je crois que je sens que je vais avoir une migraine après la fin de cette vidéo. Hein. Je vous le dis. Hein. Allez, on est rendu à combien de vidéos là? Oh putain, 50 minutes! Oh la vache, c'est énorme. Hein. Bon, écoutez. Ah, bien. C'est bien. Alors, tous les deux défis ont été voilà, nickel chrome. Alors, 8 frags, 9 décès. Et assistant 3. Dégâts infligés 832. Précision 22,95%. Ben, ça, c'est pas plus mal, ça. Bon, ben voilà, on n'est pas plus mal, les gars. On n'est pas plus mal. On est au niveau 3. On gère comme des GG. Bon. Allez, je me fais la dernière partie, mais bon, comme on va peut-être s'arrêter là, parce que je vais pas faire une grosse vidéo non plus, donc on va peut-être s'arrêter là, les gars. Bon. Bah écoutez, c'était super. Halo était le Halo Reach, non pas le Halo Reach, mais le Halo Infinite en multijoueur. C'est pas plus mal. Vraiment, c'est excellent, il n'y a pas à dire. Bon, bah je trouve que franchement, on a un excellent. On peut même fermer des combats par équipe, c'est pas plus mal. C'est très très bien d'ailleurs. Mais vous savez, j'ai envie de continuer à mon côté pour voir un petit peu si on peut l'envoyer en 2-2, voire même en 2-sec. Ah bah tiens, ma démo a été téléchargée super. Bon, ben. Prochaine vidéo, ce sera probablement le jeu que vous voyez à l'écran, donc qui est le Stranger le Stranger, voilà, de Final Fantasy d'ailleurs. Et on va se donner rendez-vous prochainement sur ce jeu-là. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine pour notre vidéo en ligne. Excellent Halo Infinity est excellent. Multijoueur, une expérience de multijoueur inoubliable. Même si le gameplay a très vieilli sur le multijoueur quand même, mais de rien. Ça a quand même, le système de multijoueur a quand même vieilli, donc il n'y a pas à dire. Ça a quand même été un peu vieillissant, je trouve. Mais on peut modifier les armes, il n'y a pas à dire, on peut faire comme du Call of Duty, on peut améliorer nos armements. Mais on n'a pas de système de level d'armement. C'est peut-être une hypothèse, mais c'est vrai. Il n'y a pas de système de level tout comme Warzone ou dans les autres Call of Duty, que si on termine un niveau d'armement, hop, on termine, hop, tu vois, prestige niveau 1, niveau 1, prestige niveau 1, bon, après, j'en passe. Bref. Excellent feeling au multijoueur, excellent système de saison et de niveau 3, bref. Mais ça rend par contre la chose assez nouvelle. Par contre, quand on est contre la GD, là, je commence à avoir une légère migraine. Là, ce jeu va me rendre une migraine carabine. Bref, je pourrais probablement faire un défi sur ce jeu. Attendez-vous à cela. Mais je vais probablement envoyer, par contre, j'ai toujours pas envoyé le défi sur Tetris. Voilà, donc le défi sur Tetris arrivera très prochainement. Je vous en dis pas plus, mais ça arrivera. Mais j'ai un petit peu trop retardé le timing parce que là, comme là, je travaille en ce moment même, je ne peux pas faire toutes les vidéos en même temps, malheureusement.
mais attendez-vous aux prochaines vidéos qui arriveront très prochainement. Je vous en dis pas plus, mais attendez-vous à des surprises. Voilà. Sur ce, Halo est très bon jeu, très bon gameplay, très bon DA, très belle DA, voire même le multijoueur est très vieillissant, hélas. Parce que je trouve que le système de multijoueur est très vieillissant, donc on peut même pas avoir une deux classes d'armement, c'est con, mais bon, après, voilà. Tout comme les Call of Duty et Battlefield, qui ont des systèmes de classes qu'on peut classer, qu'on peut utiliser des armes au fil des classes, bref, c'est un peu, voilà. Mais c'est con que Halo utilise quand même ce même système unique et fidèle à lui-même. Bon, après, Halo est quand même fidèle à lui-même. Donc, je vous le dis, hein. Fidèle à lui-même. Hein. Bref. Excellente expérience multijoueur, un système de multijoueur assez enrichissant, mais voilà, ça reste quand même le Halo, ça reste Halo lui seul, voilà. On ne peut pas reprocher un jeu comme Halo. Mais je peux reprocher un truc à Halo, c'est il y a des bugs dans le serveur. Voilà, je peux me reprocher comme quand il y a quelques légers bugs dans le serveur, ce que je me suis rendu compte d'ailleurs. Et sinon, ben, le temps de chargement des serveurs sont un petit peu longs, voilà. Ce que je peux reprocher à ce Halo Infinity en multijoueur. Hein. Voilà. Donc, je n'ai pas fait la version campagne, mais le temps de prendre Halo pour faire le mode campagne. Probablement faire aussi un épopée d'ailleurs sur ce Halo. Bref, je n'en dis pas plus. Pour l'instant, l'épopée évidemment sera en route, mais je ne sais pas quand est-ce qu'est-ce que je ferai d'ailleurs. Mais ça arrivera prochainement. On a fait probablement le tout premier Shadowgate. Je vais probablement faire un autre épopée sur tel jeu. Bref, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. C'est un petit peu compliqué en ce moment même. Là, j'ai beaucoup de travail en ce moment même. Donc je ne peux pas trop me consacrer, hélas. Comme là, je viens d'être embauché, je vais devoir terminer plusieurs. Pour même une année, pour terminer une année complète avant de prendre des vraies vacances. Je vous en dis pas plus, les gars. Ce sera évidemment ce que je. Pour l'instant, on va faire avec ça. Donc, du coup, je vais me donner un week-end pour envoyer quelques vidéos. Et voilà. Et surtout, bon, comme j'ai fait avec Master Duel de Yu-Gi-Oh! Bref. Allez! Je vous souhaite à tous une bonne soirée, prenez soin de vous, likez, partagez et commentez et favorisez un peu la vidéo, enfin favorisez YouTube et ensuite abonnez-vous à la chaîne parce que cette chaîne doit grossir encore et toujours même. Je vous en dis davantage sur évidemment mes projets qui vont arriver, donc n'oubliez pas de liker, à partager, à commenter, cliquez la petite cloche pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et je vous souhaite, et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo, qui va arriver probablement en ligne. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo en ligne. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si besoin. Et de vous abonner à cette chaîne, qu'elle ne cesse de grossir de plus en plus. Continuez, vous êtes tous des GG. Allez, merci, au revoir. Merci, je vous dis bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo en ligne et à la prochaine, ciao ciao, mille baisers, au revoir.